De son règne, moi Daniel, je vis par le livre qui devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant les sacs et la cendre. Verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'ange Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence,
Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener à la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre les saints des saints. Deuxième Pierre, chapitre 1, nous commençons à partir du verset 18-19. Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que le doigt du matin s'élève dans vos cœurs. Merci, je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture. Et nous le bénissons parce qu'il a permis que nous soyons là, qu'il vous bénisse aussi pour votre présence. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent partout dans les mondes. Je sais que dimanche vous étiez nombreux à nous suivre. Que Dieu bénisse. Paul, je crois que par la grâce du Seigneur, nous allons petit à petit l'enseignement sur les 70 semaines. J'aimerais vraiment que les gens soient attentifs parce qu'aujourd'hui, nous allons toucher les bits des 70 semaines. Le dimanche, j'ai parlé sur l'origine des 70 semaines, mais aujourd'hui, nous allons toucher les bits. Pourquoi les 70 semaines ont été données? Je dois vous expliquer comme le bien-aimé Pierre a exhorté les saints d'autrefois. Il dit, nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique comme une lampe qui brille dans les ténèbres, qui brille dans les lieux obscurs. Je dois vous dire que la supériorité de la Bible par rapport aux autres livres inspirés, parce que selon le monde, il n'y a pas seulement la Bible qui est un livre inspiré, il y a aussi Coran, il y a Veda, il y en a beaucoup de livres. Mais la supériorité, parce que dans la Bible, il y a des prophéties qui parlent des choses à venir et des choses qui se réalisent. Aucun prophète, ni Mahomet, ni Bouddha, n'a prophétisé avec exactitude. C'est vrai, ils ont parlé de morale, savoir vivre, mais la prophétie, c'est la différence entre Dieu que vous avez cru et les dieux des nations. Voilà pourquoi il avait dit, s'ils sont des dieux, qu'ils disent des choses à venir et que cela arrive pour que nous croyons à lui. Mais nous avons un Dieu qui parle, qui a parlé des choses que nous vivons aujourd'hui, lettre sur lettre, noir sur blanc. Donc le bien de Pierre voulait exhorter les gens, les saints de ce temps-là, pour dire que je dois vous rappeler ces choses pour que vous ne soyez pas éloignés d'elles. Les choses que vous avez récites. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique comme une lampe qui brille dans les ténèbres. C'est-à-dire, le monde peut tâtonner, l'Église ne tâtonnera jamais, parce que la parole prophétique nous aide à lire les événements, à comprendre comment est-ce que le monde marche. Mais pourquoi les 70 semaines? Nous devons étudier ça. Pourquoi? Les 70 semaines font suite plutôt à l'enseignement que j'avais donné sur la lumière de l'Apocalypse 17. Je vous ai promis, je dois prendre tout ce que j'ai donné là, les ramener dans les calendriers. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, nous avons les calendriers. Nous sommes au mois d'avril, bientôt mai, juin. Et le monde règle leur programme par rapport au calendrier, mais Dieu aussi a son calendrier. Alors, comme les saints, nous sommes appelés à connaître les calendriers de Dieu pour ne pas pleurer comme tout le monde. Vous vous souvenez de Noé? Noé, quand Dieu l'a enseigné, Dieu enseigna à Noé sur les temps où il devait faire dans l'arche. Mais Noé était enseigné aussi sur le futur, sur le jugement. C'est-à-dire, l'Église du Seigneur doit être enseignée sur les calendriers pour ne pas être dans le monde aujourd'hui dans la confusion, parce que le monde vit dans la confusion. Il y a des gens, les scientifiques, qui prédisent l'avenir. J'ai toujours dit aux gens que les scientifiques de ce monde ont créé des sciences pour étudier l'homme, le comportement de l'homme, l'action de l'homme. C'est parce qu'ils ne savent pas réellement qui est l'homme.
Mais la parole de Dieu a la réponse à toutes les questions de l'homme. Quand le monde t'attend, parce que le monde aujourd'hui a peur de l'avenir, qu'est-ce qui se fera demain? Mais vous n'avez pas peur de l'avenir, parce que la parole prophétique vous indique quelle est votre destination. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, vous êtes très heureux parce que je veux parler librement par rapport au dimanche où on court vite et un enseignement très, très, très capital parce qu'aujourd'hui, c'est même la clé de l'enseignement parce que je veux parler de but de 70 semaines. Le dimanche, j'ai montré seulement l'origine. D'où est venu les 70 semaines? Mais aujourd'hui, je parle les pourquoi, c'est-à-dire les but de 70 semaines. Je dois vous rappeler, nous sommes à la 70e année qu'a prophétisé le prophète Jérémie. Et la 70e année devait coïncider à la chute de Babylone. Il faut bien retenir parce que je vais rassembler tous ces éléments. 70 ans a coïncidé à la chute de Babylone, l'arrivée de Médie et Perse, c'est-à-dire, quand la 70e année arrive, Babylone tombe. Daniel, qu'est-ce qu'il fait? J'aimerais que vous me suivez, et vous suivez ça avec beaucoup d'attention. Ceux qui ne vont pas écrire, je crois que vous allez bien retenir, parce qu'aujourd'hui c'est une école. Ceux qui n'ont pas de cahier, il faut avoir le cerveau pour bien retenir ces choses. Évangéliste, retournons là-bas, parce qu'il faut que j'explique ça avec beaucoup de détails pour que l'Église du Seigneur soit vraiment enseignée. Nous sommes toujours dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Nous sommes dans le deuxième verset. Allons-y. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par le livre qui devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant les sacs et la cendre. Je priais l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance... Attends, je vous en prie. J'ai toujours dit que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Parce que sans l'explication, il n'y a pas la vie. Quand les 70 ans s'accomplissent, retenez ceci avec beaucoup d'attention, parce que les choses que je parle, beaucoup de gens confondent. Il y a deux événements majeurs dans ce livre. Premier événement, la chute de Babylone. Et la chute de Babylone correspond au règne des Mèdes et Perses, Daniel chapitre 5, verset 22. C'est à cette année-là que s'accomplit, 2 Chroniques 36, 22, 23, il y a la reconstruction du temple. Le temple qui était détruit devait être reconstruit. Mais à part la reconstruction du temple, il y a aussi la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Beaucoup de gens confondent ça, même les savants, les professeurs des universités confondent ça. C'est-à-dire, Jérusalem était une ville composée de 12 portes. Mais dans Jérusalem, il y avait deux montagnes. Il y avait la montagne de Sion. Il y avait la montagne de Morija. David avait établi sa résidence dans Sion, mais Salomon en devenant roi, il construit le temple dans Morija. Et il a relié les deux montagnes. C'est-à-dire que Jérusalem devait être relié. Il y a le temple, il y a aussi la ville. Quand Babylone entra dans Jérusalem, Babylone avait détruit et le temple et la muraille. Ok? C'est-à-dire que Daniel ne prie pas seulement
pour le temple, il prie aussi pour la ville sainte. C'est-à-dire, Daniel priait pour le temple et pour la terre, le pays. Et c'est très important parce que quand Jérusalem est détruit, le temple, il détruit aussi. Si je dois parler ça, terre à terre dans votre vie, il y a le temple qui est la demeure de Dieu. Si la demeure de Dieu est détruite dans ta vie aussi sera détruite. Parce que tout réside dans la parole. Dans la vie de l'homme, il y a le centre, là où Dieu réside. Et si là où Dieu réside, le diable vient entrer là-bas, tout de l'homme sera détruit. Parce que la terre, c'est ça. Et pour que la terre soit protégée, il faut que la demeure de Dieu soit là-bas. Voilà pourquoi dans le livre de Agée, chapitre 1er, verset 6 jusqu'au 8e verset, le prophète dit que vous avez semé beaucoup, mais vous avez moissonné peu. Vous vous êtes vêtis, mais vous n'avez pas chaud. Pourquoi? À cause de ma maison qui est détruite. Parce que ce qui peut protéger la ville, c'est la maison. Une fois que le temple est détruit, la ville aussi sera détruite. Dans la vie de l'homme, sans la présence de Dieu, tout ce que tu feras ne réussira pas. Parce que c'est la présence de Dieu qui est le temple qui doit protéger ta vie. Et ce que le diable fait, le diable vient pour détruire. Le diable met la distraction pour que le temple, la parole ne soit pas vraiment installée dans nos vies, pour que le reste de la vie soit détruite. Donc tout ce qu'on peut faire, s'il n'y a pas l'intimité, s'il n'y a pas la communion entre l'homme et Dieu, la terre ne produira rien. Parce que ce que Jérusalem a fait, Babylone plutôt a fait dans Jérusalem, il a détruit, Babylone a détruit les temples et la ville. Maintenant, Daniel intercédait. Vous allez vous poser la question. Daniel n'intercédait pas pour nous. Mais comment les 70 semaines nous parviennent? Daniel intercédait pour son peuple, pour le temple et pour le pays. C'est très important. Je dois vous dire que quand Salomon a construit le temple, il a vu la prière de Daniel. Il a dit ceci: Seigneur, si ton peuple est dans le lieu éloigné, dans le pays étranger, tourne le regard vers cette maison et prie. C'est-à-dire qu'un juif, quel que soit le lieu où il se trouve, il ne peut pas prier les prières de ces nations-là. Avant de prier, il faut qu'il cherche où se trouve Jérusalem. Parce qu'il savait que Dieu réside dans Jérusalem, comme chez nous ici. Bien que nous sommes en Afrique du Sud, mais nous n'avons pas prié comme les Sud-Africains. Il faut toujours chercher là où se trouve notre enseignement. Parce que le temple pour nous aujourd'hui, c'est le lieu de l'enseignement. Là où Dieu réside. Donc on ne prie pas n'importe où, n'importe comment, sans se référer à notre enseignement. Parce que Dieu a tout mis dans sa parole. Alors, Daniel aussi, comme un juif, il priait. Je n'ai plus qu'un juif, un israélite, parce qu'il y a la différence entre israélite, juif, hébreu. Quand ils étaient en Égypte, ils étaient des hébreux. Quand ils entrent dans Cana, ils deviennent des israélites. Au retour de la captivité, ils deviennent des juifs. Un seul peuple, mais qui a marché, hébreu, israélite et juif. Alors, les enfants d'Israël, si leur terre est occupée, c'est la mort. Parce qu'ils savaient que Dieu a lié leur bénédiction à la terre. Vous vous souvenez de la femme, la Tsunamite? Quand Élisée avait dit, demande à cette femme qu'on parle d'elle devant le roi ou le chef de l'armée, quelle était sa réponse? J'habite dans mon pays. C'est-à-dire que quand un Israélite habite dans son pays, il n'a pas raison, il n'a pas besoin qu'on intercède pour lui passer, il savait que sa bénédiction demeure dans la portion. Parce que quand Josué a distribué des portions de terre, chaque Israélite habitait sa portion de terre où était liée sa bénédiction. Et moi je crois que pour nous aujourd'hui, véritable habitant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même si je n'ai pas l'argent, les choses ne marchent pas, mais que j'habite sur ma terre, si je suis dans ma portion de terre, qu'il pleuve, qu'il neige, Dieu se souviendra parce que c'est son héritage. Voilà pourquoi Daniel priait
Ils jeûnaient pour le temple et pour la ville sainte. Retenez, s'il vous plaît, retenez ces petits détails que je donne. Sont des détails très, très, très importants dans le reste de l'enseignement. Le temple a été construit bien avant. Esdras, chapitre 4, verset 1er, Virgile, verset 12, verset 13. Esdras 4, 1er, Virgile 12, 13, répond à Esdras 1, 1, 2. C'est-à-dire quoi? Le temple a été construit, c'est-à-dire on commençait la reconstruction du temple déjà, parce que la chute de Babylone, c'était l'entrée de Médie et Perse pour que le temple soit reconstruit selon les versets que j'ai donnés. Et je me suis répété dans 2 Chroniques chapitre 36, verset 22-23. Le temple était reconstruit, là il y avait... Vous avez Zorobabel qui est allé pour la reconstruction du temple, accompagné d'Agé. Il y avait aussi Zacharie. Josué plutôt. Il y avait aussi Josué. C'est-à-dire, le temple était déjà reconstruit. Mais qu'est-ce qui restait à être reconstruite? C'était la muraille. J'ai voulu tout d'abord vous fixer, parce que beaucoup de gens confondent. Que quand Daniel prie, c'était pour le temple et c'était aussi pour la muraille. Vous allez comprendre le pourquoi de cette destruction. Quand Daniel prie, il prend le sable, suivez-moi très bien. Qu'est-ce qu'il dit, évangéliste, verset 3? Nous sommes toujours dans Daniel 9. Oui. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant les sacs et la cendre. Je priais l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Attends, je veux dire que vous me suivez avec beaucoup d'attention, si je sais le pourquoi. Daniel, quand il lut le livre du prophète Jérémie, il voit la chute de Babylone, il n'a pas dit merci Seigneur. Il a eu l'attitude de prier. Il revêtit les sacs. Il a commencé à prier. Quand il prie, il ne cite pas même le nom de Babylone. Il n'invoque pas même le feu. Mais il reconnaît les péchés qu'ils ont commis. Mais quand vous vérifiez dans le livre de Daniel, chapitre 1er, verset 11, commencez par 8 jusqu'à 15 verset, vous allez voir que Daniel était jeune quand il est parti dans Babylone. Mais ici, il prend les péchés de tout un peuple. Il dit, Seigneur, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité auprès de notre Dieu, la justice, auprès de notre Dieu. La grâce, à nous la confusion de face. C'est-à-dire, ce que Daniel fait, c'est l'intercession non pour lui-même, mais il prenait la place de tout un peuple. Il a pris le sac, il a commencé à intercéder. J'aimerais que vous reteniez ça très bien. Il intercède, il jeûne, mais alors que la promesse s'est déjà accomplie. Mais quand la promesse est accomplie, il pouvait seulement dire, Seigneur, merci parce que tu as accompli la promesse. Mais cette promesse accomplie, il commence à jeûner, à prier, à confesser les péchés. C'est-à-dire, dans Daniel, il représentait tout un peuple. Donc, tout Israël était représenté dans Daniel. Daniel était comme l'intercesseur de tout un peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, tous les peuples
était représenté dans Daniel. Nous avons compris. Ça dit, quand on a jeté Daniel dans le fosse au lion, il ne pouvait pas mourir parce qu'il était un peuple de promesse. Or, Daniel dans le fosse au lion représentait même la maison d'Israël. Dans la tribulation, il ne sera pas exterminé, mais Dieu se souviendra de lui. En réalité, nous avons compris que c'est Daniel représentait tout un peuple. Donc il s'est identifié au peuple. Moi j'aime Jésus-Christ. Pour nous sauver, il n'est pas resté dans son bureau. Mais il est venu prendre notre place. Il est devenu serviteur. Vous vous souvenez de cette maman-là? La maman-là qui intercédait pour sa fille qui était malade. Elle n'a pas dit, Jésus, ma fille est malade. Mais elle a dit, Jésus, aie pitié de moi. Mais quand elle dit, Jésus, aie pitié de moi, quand Jésus-Christ approche, ma fille est malade. Ça veut dire que la fille est tête dans elle. Donc pour intercéder pour quelqu'un, il faut s'identifier à lui. Si nous avons le problème aujourd'hui dans les églises, il n'y a pas l'amour parce que les gens ne s'identifient pas aux autres. S'il est fort, il reste fort. Quelqu'un qui est faible, on ne vient pas à lui. D'ailleurs, même les pasteurs, beaucoup de pasteurs, pour visiter les gens, il faut avoir quelque chose. Pour faire une veillée, il faut avoir quelque chose. Alors que Jésus-Christ n'a pas voulu chercher qui est qui, mais il s'est identifié à tout le monde. Et c'est ça l'intercession. C'est-à-dire, pour intercéder, il faut s'identifier. Donc Jésus-Christ s'est identifié à tout le monde. Si les gens s'identifient, parce que j'ai toujours dit qu'il n'y a pas un ciel pour les assemblées des saints, il n'y a qu'un ciel selon la parole. Donc si nous devons nous identifier aussi aux faibles, c'est ça l'œuvre de Christ. Moi j'ai toujours dit, celui qui sert Dieu pour qu'il soit servi ne sera jamais élevé. Les gens qui attendent qu'on leur serve, ils ne seront jamais élevés. Parce que les besoins dans la vie de l'homme sont illimités. Donc si tu as besoin qu'on te donne chaque fois, tu ne seras jamais élevé. Mais les gens qui vivent aussi pour servir les autres sont élevés. Parce que quand on sert quelqu'un, on est élevé. Mais quand on reçoit chaque jour, on n'est pas élevé. Donc Dieu de l'esprit, il devait s'identifier. Qu'est-ce que Daniel a fait? Il est dans le palais royal. Mais quand il porte les sacs, ce n'est pas pour lui. Oh, les sacs, c'est l'œuvre de l'intercession. Je ne veux pas aller dans les quatre chemins parce que je cours pour vous expliquer les buts. Sinon, je pouvais vous expliquer les sacs. Vous vous souvenez de ces rois-là qui marchaient sur la muraille, sur le mur. Une femme crie, roi, sauve-moi. Qu'est-ce que le roi a dit? Qu'est-ce que moi je peux? Qu'est-ce que je dois faire pour toi? La femme a commencé à expliquer comment est-ce que son fils était mangé. Le roi a déchiré. Quand il déchire le vêtement royal, à l'intérieur, on voit les sacs. Ça veut dire que le roi, à l'extérieur, il a la tenue royale, mais à l'intérieur, il a un sac. Donc quand on voit les sacs, c'est-à-dire que le roi n'est plus à l'extérieur, mais il est à l'intérieur. Ça veut dire que l'intérieur est dévoilé. Est-ce qu'on me comprend? Oh, ça, ce sont des ABC de l'évangile, non? Vous savez que quand on déchire les lions, qu'est-ce qu'on voit? Les miens, non? Quand on déchire les lions, qu'est-ce qu'on voit? L'agneau, non? Quand Judas sort, qu'est-ce qu'on voit? Siméon, non? Exactement, c'est ça. Ça veut dire que quand le frère là, Naaman, la fille lui dit que chez lui, il y a un prophète, lui parle chez le roi. Est-ce que la fille captive avait dit que chez nous, pour être guérie de la lèpre, il faut aller chez le roi? Non. Elle a parlé du prophète, mais Naaman va chez le roi. Et quand le roi lit la lettre, il déchire. Vous voyez? Il déchire la lettre. Pour dire que dans la royauté, il n'y a pas les rachats. Quand il déchire, le prophète dit, venez ici. C'est-à-dire que quand on déchire la royauté, dans la royauté, il y a la puissance. Ne restez pas fort, ne restez pas glorieux, parce que quand il reste fort, il n'y a pas de sa vie. Il faut toujours être humble, parce que Dieu qui était fort s'est humilié pour que par son humilité, la gloire soit manifestée. Et si tu vois un homme de Dieu orgueilleux, Dieu n'est pas là, parce que Dieu ne peut pas marcher dans l'orgueil. Mais Dieu marche toujours dans l'humilité. Et l'humilité là, on ne fait pas, moi je suis humble. Non, celui qui est humble ne parle pas. Mais on verra seulement l'être. Quand les gens disent, moi je suis humble, le Bouddha. On ne cherche jamais de moi je ne suis pas orgueilleux. Jamais l'orgueil t'empêche de reconnaître que tu es orgueilleux.
C'est-à-dire, en réalité, Daniel s'identifie au peuple. Il a commencé à intercéder. Moi, si j'aurais le temps, je vous expliquerai la prière de Daniel. Amen. Comment quelqu'un commence à reconnaître tout d'abord le péché qu'il a commis, il remet à Dieu toute sa gloire. Nous prions mal. Parce que si les choses ne marchent pas, Dieu, ma vie. Daniel n'a pas tenu compte de tout ce qu'il manquait, mais il a reconnu que Dieu, tu es tout puissant, tu es bon. Même si les choses ne marchent pas, ce n'est pas à toi, mais à nous. Dieu ne changera jamais sa parole pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quand il priait, il confessait avec sincérité. Peut-être le dimanche, je vais vous expliquer la rencontre de Gabriel et Daniel. Mais aujourd'hui, je vais aller plus vite dans les 60 semaines. Pendant qu'il priait, il gênait, il faisait des supplications. Dieu attend la prière. Verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretait avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Ouvrir l'intelligence, retenez ça bien. Daniel priait, mais il avait besoin de l'ouverture de l'intelligence. Tu sais que beaucoup de gens prient ici, mais l'intelligence n'est pas encore ouverte. Je reviendrai. Pendant qu'il priait, je vous ai dit que Daniel ici, quand il intercède, il jeûne, il prie, il prend des sacs, il représentait Christ qui s'est identifié à nous pour prendre notre place. Est-ce que vous vous souvenez, Mike, je te pose une petite question. Quand Abraham était sur la montagne de Morige avec son fils Isaac, qu'est-ce qui manquait? Les béliers, non? Parce qu'il y avait le feu. Qu'est-ce qui manquait? Les béliers. Mais quand Dieu est descendu pour délivrer Israël, qu'est-ce que Moïse voyait? Moïse voyait le feu. Mais dans le feu, il a attendu la voix. Donc la voix qui a manqué là. Parce que là, il y avait seulement le feu, il n'y avait pas un homme. Mais qui a donné à Abraham le bélier? C'est le buisson. C'est le buisson qui avait retenu le bélier par les cornes. C'est-à-dire que le buisson avait les mains. Le buisson était sacrificateur. Mais ce buisson a voyagé jusqu'à suivre Moïse en Égypte. Et quand Moïse a voyé le buisson, dans le buisson, il y avait le feu. Ah, le buisson a voyagé. Et dans le buisson, un homme. Mais l'arbre ne se consumait pas. Et Dieu parlait. Ne t'approche pas. Les lieux. Comment toi, Dieu, pour sauver, tu viens dans un arbre entouré de feu, mais l'arbre ne se consume pas. Jésus. Donc Dieu, pour nous sauver, il n'est pas resté hors du feu. Il voulait seulement montrer, voilà comment est-ce que mon peuple souffre en Égypte. Les souffrances, les épreuves, c'est le feu. Mais le feu ne va pas consumer Israël parce que je suis le buisson au milieu de vous. Donc quel que soit le combat, parce que le Seigneur est avec nous, nous allons nous en sortir. Donc Daniel prend la place du peuple pour intercéder. Mais pendant qu'il intercédait, l'ange Gabriel s'approche de lui. Il donne, depuis que tu as commencé à prier, en tout cas, j'aime ça. Donc Dieu n'a pas répondu, Daniel il commence, Seigneur je te bénis directement, il répond. Depuis qu'il a commencé à prier, avant que l'ange vienne, Dieu a déjà attendu. Est-ce que tu peux faire confiance au Seigneur? Depuis que tu as commencé à prier, à jeûner, il voit, il attend. Mais il a préparé un temps où il va te visiter.
J'ai toujours dit que l'inquiétude de l'homme ne changera pas le calendrier de Dieu pour sa vie. Tu peux t'inquiéter, mais ça ne changera rien. Ce que Dieu a tracé, il a tracé. Ton problème, c'est de lui faire confiance, même si tu comprends rien. D'ailleurs, tu n'es pas obligé de comprendre Dieu, parce que si tu le comprends, il deviendra homme comme toi. Il y a des fois, on se pose des questions comme Job. Tu es où? Oui, il est là. Est-ce que tu vois comme un homme? Oui, je vois. Bon, est-ce que Dieu tient les yeux d'un homme? Cela arrive toujours. Abraham même s'est posé la question, mais je m'en vais mourir. Où est la postérité? La vie chrétienne, c'est la vie des questions. Ça ne va pas se terminer. Dieu posera toujours des questions, mais la réponse appartient seule à Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, mon juste vivant par? Non, par les raisonnements. Mon juste vivant par? Non, par les soucis. Mon juste vivant par? Par les calculs. Mon juste vivant. Ah, voilà, quand on vit par la foi, on s'abandonne. Parce qu'on croit qu'entre ses mains, tout est bien. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, Dieu descend. On commence. Vous y êtes? Je commence l'enseignement maintenant. Il donne les buts. Quels sont les buts? Allons-y. Descendez, évangéliste. Verset 23. Oui. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Oui. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. 70 semaines sont fixées pour qui? C'est pas pour l'église, hein? Retenez ça bien. 70 semaines, c'est pas pour l'église. Mais vous allez voir comment est-ce que cela nous concerne aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que vous ayez l'esprit de la prophétie. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. La ville sainte. Allez-y. Pour faire cesser les transgressions. Écrivez pour ceux qui écrivent. Cessation des transgressions. Transgression, c'est-à-dire la rébellion. L'action de se rébeller. Dieu a fixé les 70 semaines pour mettre fin aux transgressions. Allons-y. Et mettre fin au péché. Le péché, deux. Il faut cesser la transgression et mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité. Trois. Expier l'iniquité. Et amener la justice éternelle. Quatre. Amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et le prophète. Sceller la vision et le prophète. Et oindre le saint des saints. Six. Oindre le saint des saints. Voilà le but des 70 semaines que nous voulons étudier. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour me comprendre très bien. Et que le Seigneur vous accorde l'intelligence. Amen. Ça dit. Dieu, pour mettre fin, pour cesser la transgression, pour mettre fin au péché, expier l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la vision et les prophètes, oindre saint des saints, il a donné 70 semaines. Vous savez, mes bien-aimés, avant que je vous donne le pourquoi de ce but, je vais vous dire que rien n'échappe au contrôle de Dieu si nous sommes son peuple. Et il a fixé chaque chose à son temps. Voilà ce que j'aime chez le Seigneur. Quelles que soient nos inquiétudes, quelles que soient nos questions, mais Dieu a fixé chaque chose à son temps. Daniel, c'est la matin, il priait. Mais l'ange est venu pour dire, écoute Daniel, 70 semaines, c'est-à-dire 70 semaines sont fixées pour cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité. Je vous rappelle que transgression ici, c'est d'Israël. Péché, c'est d'Israël. Iniquité, c'est d'Israël. Est-ce que vous me suivez bien? Mais cela est venu comment? Retournons dans Daniel chapitre 9, parce que je dois donner tout d'abord le pourquoi, la lettre. Cette
cette iniquité-là, ces péchés-là, c'était comment? Retournons dans Daniel chapitre 9. Papa, prenez le verset 5 jusqu'au 6e. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Oui. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Ça dit, s'il vous plaît, j'attire votre attention. Quand je faisais l'étude de la prière de Salomon, et comment est-ce que la gloire de Dieu était descendue dans le temple et l'avertissement du Seigneur, je me suis toujours dit que quand on sert le Seigneur, il faut le servir avec crainte et tremblement. Quelle que soit la grâce qu'on peut avoir, il faut servir le Seigneur avec crainte et tremblement. Parce que je vois les aventures aujourd'hui dans l'œuvre du Seigneur. Un pasteur dans notre église a commis quelque chose de forfait. Il est venu, il s'est repenti, mais jusqu'aujourd'hui l'église ne réussit pas en tout cas. Il y a d'autres peuples, quand les pasteurs commettent des choses horribles, on ne les supporte plus parce que c'est impossible qu'un homme de Dieu arrive à ce niveau-là. Mais il y a d'autres qui se sont habitués. Ils prêchent même. Si je trouve jamais une femme, je veux dire, il a pris. Hein? C'est le sacrilège. C'est le sacrilège. La femme d'autrui. Toi, pasteur, prendre la femme d'autrui. J'ai toujours dit qu'il y a d'autres péchés qui ne peuvent pas même monter dans la tête du Seigneur. Amen. Comment Israël? Je vais vous montrer la gravité. Dieu dit à David, ce lieu sera ma maison. Et quand on a construit les temples, j'aime ça. Quand j'arrive ici, ça me fait trembler. Si vous lisez bien la prière de Daniel, ça vous fera trembler. Il dit, Seigneur, tu as fait arriver les malédictions comme Moïse les avait prescrites. Et tu avais dit que ce que tu feras à nous, le monde va se poser des questions si réellement Dieu avait aimé ses peuples. Donc quand Dieu aime, il châtie aussi. Ne t'en fais pas. Ne crois pas que Dieu a des enfants spéciaux. Dieu a des enfants chéris. Non! Salomon a construit le temple. Le temple est à construire. Non, j'aime ça. Il entre lui-même. Il prend la vie du peuple. Il lit ça dans le temple. Il dit, Seigneur, si ton peuple vient d'enseigner dans des difficultés, dans des problèmes, dans des maladies, même s'il perd le combat, dans des familles exaucées, Dieu dit, je l'exaucerai. Mais Dieu a mis l'exaucement avec la condition. Il dit, si le roi m'obéit, s'il ne m'obéit pas, ce que je ferai à cette maison. Ça dit que pour Dieu, il n'y a pas d'exception de personne. Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? J'ai entendu le cri de mon peuple, je suis descendu pour le délivrer. Mais quand le peuple a fait le veau d'or, Dieu dit, Moïse, ton peuple que tu as fait sortir. Donc, il réunit le peuple. Là, on n'est plus le peuple de Dieu. Bien que vous êtes ton peuple, dit ton peuple que Dieu a fait sortir là-bas. Heureusement que Moïse était prophète. Il dit, efface mon nom. Parce que c'est ce qui a compliqué Dieu. Je ne l'effacerai pas. C'est ça l'œuvre de la croix. Parce que Dieu ne pouvait pas régner juste à cause de notre iniquité. Si nous avons trouvé grâce, c'est à cause de lui. Alors, Dieu avait dit que effectivement, si vous n'allez pas craindre Dieu, si vous n'allez pas obéir à ses lois, rien ne gardera. Je dis aux gens qui ont trouvé grâce devant le Seigneur, ceux qui gardent la grâce, le ministère, le don, l'élévation, c'est l'obéissance. Amen. Tout ce que vous pouvez faire, tu es dans l'obligation de garder le don. Je vous dis qu'on peut négliger le don qu'on a reçu de Dieu. Parce que le pays est gardé par l'obéissance. Je ne crains pas Dieu pour que
pour autre chose. Je crains Dieu. Je marche dans la sainteté parce qu'il y a des promesses. Et si quelqu'un s'écarte de ça, les choses vont se compliquer. Les arrêtés, ça, là, vous voyez, il y a des tombes à la terre, au bas d'un bois. Les choses peuvent se compliquer ici sur la terre. Je vous dis des choses vraies. Alors, Daniel prie. Salomon construit le temple. Vous connaissez que, vous savez que, bon, montons quelques degrés, laissons un peu la prophétie, rentrons dans la maison divine. Vous savez que le temple, c'était le corps d'un homme. Parce que Malachi a dit, voici l'Éternel qui entre dans son temple. Jésus était le temple, n'est-ce pas? Donc Jésus était le temple qui devait réunir le ciel et la terre. Parce que Dieu ne peut pas habiter dans n'importe quelle maison. Dieu devait habiter dans la maison que lui-même a construite. Alors, le temple de Salomon était là. Quand le temple est construit, je crois vous avoir déjà enseigné ça, Dieu ne pouvait pas descendre comme ça. Il attendait que l'arche vienne. On est allé prendre l'arche. L'arche est venue. Quand l'arche entra dans le temple, la colonne du feu aussi descendait. C'est là où le Trinitaire me pose des questions. Pourquoi vous dites que dans lui, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Parce que dans la maison, quand la maison est là, le Père, l'arche, la tête vient entrer. Quand l'arche entre, la colonne du feu descend. C'est-à-dire que, où est la colonne du feu? Dans le temple. Où est l'arche? Dans le temple. C'est-à-dire que le Père, parce que Jésus était la maison, quand il sort chez Jean-Baptiste, la plénitude de la divinité est venue habiter dans son corps, on a vu la colonne, c'est-à-dire que désormais, temple, arche, colonne du feu devient un seul corps. C'est, le temple là, c'était la gloire. Mais parce qu'Israël n'a pas obéi, voilà, suivez-moi. Israël n'a pas obéi les prophètes. Israël n'a pas obéi les lois de l'Éternel. Israël n'a pas gardé les sabbats. C'est ça l'origine de transgression. C'est l'acte. C'est l'action. C'est la rébellion. On est rebelle. Et cette rébellion amène l'incrédulité qui est le péché. La transgression de la loi. Et le peuple est resté dans l'iniquité. J'aimerais que vous me suivez très 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 bien. Je voudrais lire quelques versets. Malheureusement, il faut que j'avance pour vous expliquer dans tous les détails. Parce que je ne vous laisserai pas comme ça pour que je vous donne le pourquoi de ces 60, les buts de ces 70 semaines. Vous devez retenir ces choses. Je cherche quelques versets bibliques. Évangéliste, nous lisons rapidement. Reprends Daniel 9, verset 24. Allons-y. 23, 24. Allons-y. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Oui. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions. Attendez, transgression, c'est-à-dire la violation de la loi. C'est ça la transgression. Et mettre fin au péché. Mettre fin au péché, parce que le péché, c'est ça l'incrédulité. Pour expier l'iniquité. L'iniquité, c'est-à-dire que quand on vient expier l'iniquité, on met la couverture. Et amener la justice. Attends. J'aimerais qu'on s'arrête là-bas. Je vous en prie de me suivre ici avec beaucoup d'attention. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je crois que nous sommes dans la maison prophétique, alors il faut me suivre avec beaucoup d'attention. C'est-à-dire, voyez, je résiste, cessez les transgressions. Mettre fin au péché, expier l'iniquité, je résume ça dans un seul point. Il faut qu'une œuvre soit faite pour la maison d'Israël. Amener la justice éternelle, sceller la vision et le prophète, poindre les saints des saints, ça c'est la réponse. Deuxième activité, c'est-à-dire Dieu
ne peut pas amener la justice éternelle, ne peut pas sceller la vision et les prophètes, ne peut pas oindre les saints des saints, si il ne cesse pas les transgressions, s'il ne met pas fin au péché, s'il n'expie pas l'iniquité. Vous êtes? Amen. Alors, j'aimerais que vous vous souveniez maintenant avec beaucoup d'amour. Israël n'a pas obéi aux lois de l'Éternel. Israël n'a pas obéi aux prophètes. Le temple est détruit. La ville est détruite. Retenez ça, je reviens. Le temple détruit. La ville détruite. Pourquoi? Parce qu'Israël n'a pas obéi aux lois. Israël n'a pas obéi aux prophètes. Israël n'a pas observé les sabbats. C'est alors que Babylone est venue. Elle a détruit le temple et la ville. Et cela entraîne la transgression, les péchés, l'iniquité à la maison d'Israël. Maintenant, Dieu fixe un calendrier pour que la transgression soit cessée, que le péché soit mis fin et pour que l'iniquité soit expiée, afin d'amener la justice éternelle, c'est la vision des prophètes pour être les saints des saints. Ça, ce sont des promesses. J'ai toujours dit que quand il y a les péchés, les promesses de Dieu s'éloignent de nous. Il faut la vraie repentance. C'est ce que Daniel a fait. Vous y êtes? Amen. Vous y êtes? Amen. Qu'est-ce qui a été? Ecclésiaste chapitre 3, 15. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui se fera. Israël n'a pas obéi aux prophètes, aux lois. Dieu a détruit le temple et la ville sainte. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Jésus-Christ vient, après avoir prêché, il veut entrer dans Jérusalem, dans Matthieu chapitre 23. Quand il entre, il voit Jérusalem, il pleure. Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix, si tu connaissais les jours qui t'est donné, maintenant les jours viendront, votre maison vous sera laissée déserte. C'est-à-dire, bien que le temple était reconstruit, mais il ramène ce qui a été fait. On m'a pas compris. Ce qui arriva à Israël dans l'ère de désobéissance, le temple détruit, miracle détruite. Quand le Seigneur Jésus-Christ revient, il trouve que le temple était déjà reconstruit. Miraille reconstruite, mais il rappelle et dit, votre maison vous sera détruite et la ville aussi sera détruite. Pour dire quoi? Cette transgression-là existe. Le péché-là existe. L'iniquité-là existe. Pourquoi? Parce que ce qui était dans les prophètes, ce qui était dans la loi, ce n'était pas Moïse, c'était Christ. Quand Dieu disait que vous n'avez pas observez le sabbat. Le sabbat là n'était que l'ombre. Le vrai sabbat, quand le Seigneur Jésus-Christ arrive, il commence à définir les gens le jour de sabbat. Et c'est un scandale pour Israël. Pour dire qu'ils n'ont pas compris que l'homme qui ramassait les bois le jour de sabbat là, c'était lui. Ils ont rencontré quelqu'un qui a ramassé les bois le jour de sabbat. Mais comment il a ramassé les bois le jour de sabbat? Mais la réponse est claire, il a ramassé les bois le jour de sabbat parce qu'il faut remuer les bois pour mettre le feu. Alors que Moïse leur a empêché d'allumer le feu le jour de sabbat. Vous connaissez les bois, non? Jésus-Christ, quand on l'a mené à Golgotha, qu'est-ce qu'on a dit? Si on a fait ça au bois vert, et qu'est-ce qu'on peut faire pour nous? C'est-à-dire que le bois sec, c'est l'homme qui est détaché de Jésus-Christ. Depuis Éden, quand Adam a été détaché de Jésus-Christ, il est devenu un bois. Il fallait que quelqu'un vienne le ramasser le jour du sabbat. Or, celui qui a ramassé l'homme le jour du sabbat, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui devait ramasser Pierre, Jacques, Jean, André, tous ces gens-là, les rassembler dans la chambre haute pour mettre le feu de la Pentecôte pour que ce feu-là soit allumé jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que le ramasser du bois du sabbat, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais Israël n'a pas compris le vrai sabbat. C'est-à-dire, le vrai temple, vraie ville, vrai sabbat, tout cela n'était que l'ombre, mais le corps, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu quand Christ meurt,
suivez-moi très bien. J'aime ça. Quand Christ meurt, Pilate sort. Il dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour cet homme, le roi? Qu'il meurt, que son sang retombe. Sir. Donc quand Israël parlait, il prophétisait, il ne savait pas. Sur nous, sur nos enfants. Alors que Dieu avait dit, tout ça sera redemandé. Donc quand les apôtres prêchaient, Israël a dit, mais si vous prêchez à ces mots-là, vous nous faites comme si nous sommes le péché. Oui, vous êtes le péché parce que vous avez crucifié un innocent. Voilà pourquoi votre maison sera détruite. Voilà pourquoi votre ville sera détruite. C'est-à-dire ce qui arriva n'était que l'homme, mais véritable prophète, véritable roi, véritable sabbat, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc jusqu'aujourd'hui, l'iniquité d'Israël existe, le péché d'Israël existe, la transgression d'Israël existe, parce que Israël n'a pas reconnu le véritable Messie. Amen. Tout le monde a compris, hein? Amen. Ah, si vous comprenez, je peux maintenant avancer. Voilà pourquoi Dieu appelle Osée. On montre quelques degrés, s'il vous plaît. On montre quelques degrés. Il dit, Osée, va prendre la femme prostituée. Mais Osée, un prophète, un israélite, je vous dis qu'un pasteur, quand on l'a accusé de sortir, de faire ceci, cela, il a pris la prophétie d'Osée. Il dit, mais vous n'avez pas lu que Dieu aussi a fait, non, toi tu n'es pas Osée. Il n'y aura pas cinq Osée, il n'y avait qu'un seul Osée. Et Osée doit aller prendre la femme prostituée quand Israël a désobéi. Osée prend la femme prostituée, il engendra des enfants. Dieu dit, écrivez ça rapidement pour le temps. Osée chapitre 2, verset 1er jusqu'au 6e. Virgile, faites ceci, on gagne du temps. Osée chapitre 2, 1er jusqu'au 6e. Virgile. 11, virgule 16 jusqu'à 24 versets. Alors suivez-moi, je vous en prie, je dois courir plus vite. Osée part, il prend la femme prostituée. L'enfant qui est né, il donne le nom de Lo-Ami. Et l'autre, Lo-Ruhama. Qui signifie quoi? Ça se trouve là-bas dans la Bible. Je ne donne pas la définition comme le théologien. L'eau veut dire quoi? Non, non. Nous, la définition, c'est dans la Bible. Dieu dit, l'eau Ruhama veut dire, je ne vous pardonnerai et pas. L'homme, vous n'êtes plus mon peuple. C'est-à-dire, quand Osée marche avec l'eau ami, l'eau Ruhama, Israël comprend que nous ne sommes plus le peuple de Dieu. Dieu ne nous pardonne plus. Cela montrait exactement le temps où l'iniquité est là, le temps où le péché est là, le temps de la transgression. Tant que Osée marche avec le bon ami, l'Orushama, c'est-à-dire, je ne suis pas votre Dieu, je ne vous pardonne plus, vous n'êtes pas aussi mon peuple. Mais Dieu lui-même dit, en ce temps-là, je reviendrai. Vous voyez? Oh là là, que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est le Seigneur qui t'a changé. Vous avez le temps de cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Amener la justice éternelle ne peut pas venir si Dieu ne change pas le temps. Dieu dit quoi? Je vais vous appeler ami. Il a enlevé l'eau. C'est-à-dire, vous êtes mon peuple. Je vais vous appeler Ruhama. Je vais vous pardonner. C'est-à-dire, il y a un temps où Israël est hors du camp. Là, c'est le temps où il y a la transgression, le péché et l'iniquité. Mais l'autre état viendra où Dieu lui-même vient amener la justice éternelle, sceller la vie des prophètes et honte les siens des saints. C'est-à-dire, quoi? Je vous explique. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu avait dit ceci. Vous allez célébrer la Pâque 14e jour du premier mois. 14e jour du premier mois. Mois de naissance. Vous allez célébrer la Pâque.
C'est le seul jour de la célébration de Pâques. Et Israël aussi a célébré la Pâque le jour-là. Mais le lendemain, les autres Israélites sont venus. Moïse, nous n'étions pas là quand on a célébré la Pâque. Pourquoi? Nous étions dans les voyages. Nous étions à cause d'un mot. Dieu dit, ok, parce que vous étiez éloignés. Bon, la Pâque aussi vous sera donnée, mais il faut attendre que le même jour vienne dans le mois prochain. Donc Dieu ne change pas le calendrier pour les gens. Il prend le même jour, parce que vous savez, le 14, c'est l'œuvre accomplie. Jacob a fait 7 fois des 14. Maintenant, il va revenir. Même période. Vous voyez? C'est-à-dire aujourd'hui, quand Jésus-Christ meurt à la croix de Golgotha, Israël est pire à cause d'un cadavre. Il ne mange pas la Pâque. Mais il attend un jour où Christ reviendra encore. C'est alors qu'Israël sera purifié de sa transgression, de son péché, de son iniquité. Vous n'avez pas encore compris? Je reprends. Maman de les regarde. Jésus-Christ meurt, ressuscite. Quand il ressuscite, les gens des groupes de prière disent que les femmes sont allées prier pour annoncer. C'est faux. Les femmes doivent enseigner parce que c'était les premiers. Non. Celui qui était à l'intérieur là, c'était seulement le corps qui est allé enseigner les prisonniers. Le troisième jour, il revient. Parce que celui qui est descendu, c'est le même qui était dans la tombe. Et vous n'avez pas compris. Chez les Juifs, quand vous enterrez quelqu'un, qu'est-ce qu'on met? La pierre, non? C'est pour dire que reste là. Quand Jésus-Christ voulait ressusciter Lazare, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché les gens, ôter la pierre. Mais pour lui, il a cherché qui? Personne. Parce que lui-même devait ôter sa propre pierre. Donc personne ne pouvait le racheter. Lui-même se rachète. Vous n'avez pas compris. Quand on a mis Joseph dans la prison, quand on a mis Joseph, qui a mis Joseph dans la prison? Potiphar, Harry. Maintenant, qui a délivré Joseph? Personne. Il s'est délivré lui-même. Quand il a interprété le songe, il dit, c'est-à-dire que Jésus-Christ devait se délivrer seul selon ce que Moïse avait dit. Si quelqu'un se vend, il devient pauvre. S'il a encore des ressources, qu'il se rachète. Donc à la croix, il est pauvre, mais il pouvait se racheter pour dire, j'ai donné ma vie, je peux la reprendre. Donc Jésus-Christ n'avait pas besoin que Marie vienne. Parce qu'il se posait des questions. Hein. Ça, ce sont les sept de Bitoulou. D'ailleurs, ces frères-là, je ne sais pas si vous les voyez aujourd'hui. Parce que les frères-là qui étaient assis sur la pierre, son visage brillait. Il a dit, pourquoi vous cherchez celui qui est vivant par le temps? Non, il n'est plus ici. Parce que tu viens d'expliquer les Écritures, son visage brillait. Donc quand le ministère explique, le visage brille, et nous sommes assis sur la pierre pour témoigner qu'il est ressuscité. Donc Jésus-Christ lui-même est sorti. Quand il est sorti, maintenant, les sentinelles sont allées annoncer. Voilà le premier prédicateur de la résurrection. Ce sont les sentinelles. Cet homme-là est ressuscité. Ce n'était pas des femmes. Les femmes n'ont pas vu l'ange. Raison pour laquelle, suivez-moi très bien, quand Jésus-Christ ressuscite, on dit, mais nous sommes allés voir là-bas. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Tous croyaient qu'il est ressuscité. Parce que quand il est réapparu, c'est ça la Pâque. Hein? Il dit Shalom. Heureusement, Thomas n'était pas là. Vous voyez Thomas? Thomas est absent. Mais les 10 étaient là. Ils étaient là. Thomas est absent. Et quand Thomas, après, on commence à l'enseigner. Thomas, nous avons vu Jésus. Non, je ne peux pas croire. Il faut que je vienne. Ne condamnez pas Thomas, c'est un peuple qui attend son jour. Parce qu'aujourd'hui, Thomas ne mange pas la Pâque, mais il attend son jour. Que le Seigneur vous bénisse. Exactement ce que je veux dire ici. Aujourd'hui, le péché d'Israël existe. Est-ce qu'on peut monter? On peut monter. Avant de voler. Est-ce qu'on peut monter? Alors, quand on dit que cesser la transgression, mettre fin au péché, expier l'iniquité, c'est-à-dire les sacerdoces rompent. Parce qu'on ne peut pas expier l'iniquité
On ne peut pas mettre fin au péché. On ne peut pas cesser les transgressions si le sacerdoce est éloigné du peuple. Le texte dit, quand on a vendu Joseph, Judas s'éloigna de ses frères. C'est-à-dire que l'expiation est aujourd'hui ici. Si les gens ont besoin d'être pardonnés, si les gens ont besoin de recevoir la grâce de Dieu, qu'ils croient à cet évangile, parce que c'est dans l'évangile qu'il y a le pardon du péché. Amen. Vous êtes pire à cause de la parole que vous écoutez. Non à cause de ma qui vous obéir là. On est pire à cause de la parole, parce que c'est la parole qui purifie. Alors là, suivez-moi très bien. Évangéliste, lisons Lévitique chapitre 16. Supportez-moi, on montre quelques degrés et nous allons descendre. Lévitique chapitre 16. Papa, prenons le verset 18. On gagne du temps. Comme ça, je reviendrai. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel. Mm-hmm. Et il fera l'expiation pour l'autel. Ah. Il prendra du sang, du taureau et du pourpre. Et il en mettra sur le cornet de l'autel tout autour. S'il vous plaît, je vous en prie de me suivre ici. D'accord, aujourd'hui nous allons prier. Mais ça ne vaut pas la peine de mettre les trucs là, parce qu'il faut que je termine cet enseignement très capital. Aujourd'hui, il n'y a pas des gens qui vont prier. Il n'y a pas, nous allons prier jusqu'à 19h parce que les gens sont en jeûne. Alors, je vous en prie, pour la nana, hein? Ah, vous l'aimez la vie, non? Amen. Je vais vous expliquer ça. Parce qu'il faut que vous reteniez ça. C'est pas comme les gens disent 144 000 membres. Voilà ma terre, témoin de Jéhovah. C'est sûr, voilà ma terre, il y a ma branamiste. Non, c'est l'enseignement de la Bible. Vous devez être capable de l'être enseigné. Parce que Dieu a caché ces choses pour vous. Suivez-moi, je vous en prie. Suivez ça bien, maman Dédé. Le tabernacle était comme ça. Là, quand vous entrez, il y a l'autel de l'Holocauste. Quand vous dépassez l'autel de l'Holocauste, il y a cuve de rein. Il y a ici, il y a 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3 bases. 3 colonnes. 3 colonnes. Dans la porte, il y a 4 colonnes. Quand vous entrez, quand vous passez le parvis, il y a le lieu saint. Le lieu saint a 5 colonnes, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, nous avons compté des choses dans la ministère. Alors, ici, quand vous entrez, il y a table de paix de proposition, chandelier, autel d'or du parfum, il y a le voile. Le voile, là, on a dessiné les chérubins. Et le lieu très saint se trouvait là-bas. Là, il y avait l'arche. Maintenant, Dieu descendait là, dans le lieu très saint. Exode chapitre 25, verset 22-23. Alors, je vous en prie, suivez-moi. Ça, c'était la demeure de Dieu avec le peuple. Maintenant, suivez, ce lieu-là, le lieu très saint, on entrait comme une seule fois là. J'explique Lévitique 16 pour que vous compreniez ça. Vous êtes le fille du roi, je vous ai toujours dit, faut voler ta bilan, mais avant, mais le billet. Parce que tu vas trouver quelqu'un d'esprit 70 mètres, peut-être un temps à livrer à Branham. Mais comme Yosa Moussanti, parce que je vous ai toujours dit que si les autres filles peuvent boire de l'eau, mais tous ces gens-là comprennent que Jacob n'a pas ouvert le puits pour tout le monde. Jacob a ouvert le puits seulement pour Rachel. C'est-à-dire que le puits, ah, vous savez le puits, non? Oh, Salomon a dit que le cœur de l'homme, c'est le puits. C'est-à-dire que le cœur de l'homme, c'est le puits. Maintenant, l'ouverture, c'est la bouche. Avant que Christ vienne, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses parce que l'ouverture était fermée. Mounoua, Kamamaka, Wana Zakaria Zababa. Mais quand Jacob arrive, à Fumoli, le boulot pour Rachel Amela. Rachel Amela. Ben, Christ, mon souper, ben, Amela, mais ma Fumoli, là, ma Moumaïté. Yes, on n'a pas été. Mais si on continue, yes, on parle, on n'a pas été. On ne veut pas casser le boulot à ma maison à ma montée. Pendant la trichée, je suis fou, mais la main m'a dit, ma bonne boule à ma maison. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, regardez. Les lieux très saints. Les lieux très saints. Avec le voile où on avait dessiné le chérubin.
Dieu chassa l'homme dans le jardin d'Eden. Clotilde, la porte se trouvait où? À Moria. Et qu'est-ce qu'il avait mis? Le chéri. C'est-à-dire que le lieu ici, c'est le jardin d'Eden. Dieu ramène Eden. Mais il y avait le voile qui avait des photos de chérubins. Maintenant, quand Israël se rassemble, le peuple s'arrêtait ici, le sacrificateur s'arrêtait là-bas. Donc pour entrer dans les lettres, il faut attendre le 10e jour du 7e mois. Le souverain sacrificateur devait entrer une seule fois. Comment est-ce qu'il entrait? Il doit venir ici. Suivez-moi. Tout le peuple se rassemble là-bas. Nous sommes venus pour quoi? Pour trouver le pardon du péché. Oh, j'aime ça. Pour que l'iniquité soit expiée. Pour que la transgression soit pardonnée. Tout le peuple venait à l'extérieur. Vous êtes à l'extérieur. Pourquoi? Parce que le seul qui est capable d'entrer dans le lien très saint, c'est le souverain sacrificateur. Mais le souverain sacrificateur n'entrera pas comme ça. Il faut qu'il amène les sacrifices. Quand il arrive, Tabami Balé, on tire maintenant, on sort. Tabaou, Yanan, oh, c'est pour l'éternel, oh, on couffa. Oh, Yanan, oh, Maoutika, il boucle dans sa zèle. Moutouyo, a relivré boucle dans sa zèle, a aussi pour la faute. Il est pire, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que Azoualissou la boucle dans sa zèle. Tabami Balé. Maintenant, le souverain sacrificateur, prendant le sang, il va faire ça. Regardez. Je ne vous donne pas tous les détails pour le temps. Il doit donner l'offrande pour lui-même. Il entre. Quand il est là-bas, dans les lieux très saints, où se trouve le peuple? Où se trouve le peuple? À l'extérieur. Nous attendons qui? Le souverain sacrificateur qui est là-bas. Nous l'attendons parce qu'à sa sortie, tout le monde va glorifier le Seigneur. Parce que quand il sort, nous allons chanter « Notre péché a été fait ». Un petit détail évangéliste. Retournons toujours dans Lévitique chapitre 16. Un petit détail là-bas. Toujours dans Lévitique chapitre 16. Je cherche un petit détail. Papa, prenez le verset 17. Allons-y, rapidement. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans les sanctuaires. Voilà. Là, mon cœur brille. Je dis que quand le souverain sacrificateur entre dans la société, le frère Branham, parce que le souverain sacrificateur restera seul. Quand il est là, il n'y aura personne associé à Zadé. Tous les peuples à l'extérieur, nous attendons quoi? Nous attendons qui? Quand il finira le travail, à sa sortie, nous allons chanter le pardon. Vous savez le bouc? Oui, mais d'abord, tu as besoin de soumouki. Voilà, ta catholique a dit ça. Maintenant, quand on appelle Jésus chez Pilate, il n'était pas saint pour Israël. Il a dit, mais d'abord. Ma ministre, c'est Pilate, il tape. Pilate, tu comprends que tu as besoin de moi, tu fais pas à Mibali. A mis si bien Barabbas. Ma robe, il tape à Mibali. Si d'abord, Barabbas, il peut taper. Il faut se croire mon combat tikaï, mon combat pour moi. Vous comprenez? Il y a mon frère Joseph. Quand on va mon à Joseph, on va dire pour tout tekaït au moment tabac. C'est que Joseph a commis le tabac. Si on va vomir tabac, mon combat zombie, c'est la Jacob, le rôle à tata. Tabac, mon sou, Joseph, pas benanaïa, qui est dans la dépôt, on va dire dans sa zèle. Exactement ce que Pilate fait. Il prend Jésus-Christ de Barabbas. Exactement ce que la loi disait. À ce moment-là, Jésus-Christ est vendu et Barabbas est délivré. En ce jour, c'est le jour où Jésus-Christ devait entrer dans le lieu très saint. Voilà pourquoi, quand il monte à la croix de Golgotha, quand il crie, les voiles se déchirent pour dire qu'il est entré dans le lieu très saint. Aaron entrait avec le sang des animaux, mais Jésus-Christ est entré avec son propre sang. Et nous croyons que jusqu'aujourd'hui, nous sommes à l'extérieur. Nous l'attendons quand il reviendra, on comprendra que notre péché a pris fin. Parce qu'il demeura dans ce corps, nous demeurons encore loin du Seigneur. Je veux que ces paroles pardonnent vos péchés. Exactement, c'est-à-dire,
Nous l'attendons aujourd'hui. Voilà pourquoi Aaron. Moïse dit qu'il n'y aura personne avec Aaron quand il va offrir. Nous disons Jésus-Christ est le seul aujourd'hui. Il n'y a pas un associé à ses côtés. Il est le seul. Maintenant, quand le souverain sacrificateur sortira, il ira faire. Voilà, voilà, voilà. Remarquez. Ce qu'il a dans les lieux très saints, il le fera aussi à l'intérieur pour un peuple de l'extérieur. C'est-à-dire, il y a un peuple qui est là-bas dans le ciel, il y a un peuple qui est sur la terre. On va le quitter. Je dis, au moment où il est sous les Nazareth, Jésus-Christ, aujourd'hui, il est dans les lieux très saints. Le pardon, l'œuvre qu'il a accomplie là, ils ont mis des salut sauté. Mais Israël est dans l'incrédulité. Il faut qu'il termine l'œuvre, qu'il retourne pour s'occuper du péché de son peuple. C'est le travail qu'Aaron fait. Il fait dans les lieux très saints, il reviendra faire aussi dans les parvis. Romains chapitre 11, verset 25 jusqu'au 27e verset. Et ça nous raison. Nous allons revenir là après. Ça dit, Christ reviendra dans la maison d'Israël pour mettre fin au péché. Il faut retenir, écrivez ceci, écrivez. Nous avons les six buts. Et les six buts sont divisés dans deux parties. Première partie, c'est quoi évangéliste? Daniel 9, 23. Allons-y rapidement, que les gens retiennent ça une fois pour toutes pour qu'on termine. Daniel 9, le verset 23. Nous sommes toujours là. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Oui. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et le prophète. Et pour oindre le saint des saints. Alors suivez-moi, je vous en prie. Ça dit, vous avez première partie. C'est la partie de l'iniquité. C'est la partie de la transgression. Péché. Vous avez transgression, péché, iniquité. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, c'est la partie de la justice éternelle. Sceller la vision des prophètes et oindre les saints des saints. Je divise ça en deux parties. C'est-à-dire quoi? Suivez-moi très bien. Je pars pour terminer parce qu'aujourd'hui, je dois terminer le but de 70 semaines. Jésus-Christ en marchant, il dit, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ est libre de ses péchés. Celui qui ne croit pas est condamné dans les péchés. Jusqu'à aujourd'hui, Israël est dans les péchés parce qu'il n'a pas crié au Seigneur Jésus-Christ. Ok? Amen. Ok. Amen. Maintenant, dans le livre des Romains, écrivez ça, Romains chapitre 11, verset 25 jusqu'au 27e verset. Le bien-aimé Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet d'Israël. Une partie est tombée dans l'endurcissement, juste à ce que la totalité des païens soit entrée. Maintenant, le verset 26 dit, selon qu'il est écrit, Israël sera sauvé parce que les libérateurs viendront des Sion. Il ajoute dans le 27e verset, il dit, en ce qui concerne l'alliance, ils sont ennemis. Ils sont aimés à cause de leur père. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de leur. C'est-à-dire, aujourd'hui, Israël, à cause de l'évangile, dans le banda. Vous voyez bien, on est. Nathé a dit déjà que hier soir, Vandazoli a la messa, moi, si on a eu la parfum. A dit qu'il va te la messa à Balou qui a dit qu'on s'occupe de moi si il y a parfum. A dit ma soumou la veille de sa vie. Mais ma tour invita qui est à l'ébessa ma soumou la bamboté. Hier soir, il a dit qu'on a Israël, mais à tourner s'occupe de la vie sur ma moua. Comme à tout pas à la messa, mais c'est à ma moua. Et dans le roi, Zan, à ce qui n'a c'est à messa. Riche à l'IA Galicolo ya Mesa. Mais Moutoregui n'a pas pensé à l'Iloko, riche à l'IA Galicolo Laza. Mais riche à Pessa été. Mais Namoukola Wokoufa Babalouki. Riche à Komi Moussika, pauvre à Komi Kote. Pour Israël, il est là riche. À Pessa Monsieur Lokote. Il est Moutoregui n'a loi un prophète puissant. Mais Sunga est pété. Mais Bissot, le roi, ma pauvre, tu sois Lokote, tu sais qui n'a pas moi.
Tu m'as invité dans ta maison, mais tu ne m'as pas baisé. Ça dit Jésus-Christ est venu chez les siens. Les siens ne vont pas réussir. Vous savez ça, non? Amen. Il est venu chez Marie, mais Siméon l'a récupéré. Siméon a prophétisé parce que Siméon avait compris que c'est le rouleau. Mais Marie elle-même admirait seulement. Donc, il y a ce là, il passe là-haut, il va défendre. Oh, les armes à beaucoup, la bise de Roson et la Nicole là. Amen. Ça y est, très bien. Ça, c'est son ABC. Alors, je vais dire un mot pour terminer. Que quand Israël croira au Seigneur Jésus-Christ, c'est alors que leur transgression, péché, iniquité prendra fin. Alors, justice éternelle, vision et le prophète, scellé le Saint des Saints, ça sera dans le futur, dans les règnes millénaires que nous allons étudier. Donc nous avons compris en un mot que les 70 semaines que Dieu donne à Daniel ne concernent pas seulement les peuples d'Israël, mais Dieu montre aussi par là un calendrier pour les restes du temps. Est-ce que tout le monde a compris? Amen. Tout le monde a compris. Amen. Alors, en un mot, qu'est-ce que nous disons pour retenir? Vous allez comprendre. Je vais expliquer chaque bit. Aujourd'hui, j'ai introduit les bits, mais j'expliquerai chaque bit et vous allez saisir comment est-ce que l'iniquité sera expiée, comment est-ce que la justice éternelle et point de les saints des saints. Ça sera dans les règles millénaires, je vais expliquer ça tout bien, très clair. Je veux seulement que vous retenez. Mais vous avez retenu une chose. Je ne sais pas si vous avez retenu, avant que l'ange parle à Daniel, avant qu'il donne les 70 semaines, voilà ce qu'il a dit. Évangéliste, on termine là-bas. Daniel 9, verset 22. On termine là-bas. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit quoi? Il m'instruit ici. Et s'entretenait avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. C'est-à-dire quoi? Est-ce que Daniel n'avait pas l'intelligence? Mais bien aimé, les 70 semaines, le calendrier que Dieu communique à Daniel doit ouvrir son intelligence pour ne plus continuer à pleurer, pour ne plus continuer à gémir, mais qu'il croie que Dieu a fixé chaque chose à son temps. On peut prier, mais l'intelligence n'est pas ouverte. On peut marcher avec Jésus-Christ, mais l'intelligence n'est pas ouverte. Je ne sais pas si vous croyez ensemble avec moi que quand Jésus-Christ est ressuscité, les gens qui marchaient avec lui dans le chemin d'Emmaüs, leur intelligence était ouverte. On peut prêcher Jésus, mais l'intelligence est là, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas que Jésus-Christ dit aux apôtres de distribuer les pains. Ils ont distribué les pains. Mais dans la tempête, ils ont crié. Et frère Marc dit parce qu'il ne comprenait pas les miracles des pains. Parce que comment les gens qui ont distribué les pains ne comprenaient pas les miracles des pains? Je vais être prédicateur, je distribue les pains, mais je ne comprends pas comment est-ce qu'il a rompu les pains. Parce que c'est ça la croix. Je peux prêcher la croix, mais sans comprendre la croix. Je peux être un prédicateur, mais dans ma vie, il n'y a rien. Parce qu'on peut distribuer les peines. Mais on reconnaît quelqu'un qui a compris que l'intelligence est verte dans la tempête. Amen. Parce que s'ils avaient compris que celui qui a brisé les peines est capable de tranquilliser la tempête, ils ne pouvaient pas crier. Les textes disent ils ont crié parce qu'ils ne comprenaient pas les miracles des peines. Aujourd'hui, les églises se divisent, les troubles, pourquoi? C'est parce que les gens ont prêché, mais ils n'ont pas compris ce qu'ils prêchent. Amen. L'intelligence n'est pas ouverte. Il y a des gens qui ont chanté, mais l'air est terrible. Voilà pourquoi j'aime frère Paul. Il dit, ayant entendu que vous avez reçu la parole, je fléchis mes genoux. Je prie au Seigneur qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous compreniez l'espérance qui est attachée à son appel. Il y a des gens qui prient, mais l'intelligence, c'est fermé. Ils ne voient rien. Ils ne comprennent rien. Parce que quelqu'un, son intelligence est ouverte, il comprendra. Je ne prie pas pour les gens. Écoute, quand Dieu me dit de pardonner les gens, ce n'est pas pour Dieu, mais c'est pour moi. Amen. Parce que si je pardonne quelqu'un, je suis libre. Amen.
Mais si je ne pardonne pas quelqu'un, je suis esclave de lui, si je le vois à l'Ouakuna, je suis encore son esclave. Parce que si l'intelligence est ouverte, nous allons comprendre. Moi, j'aime que quand le ministère passe ici, car l'enseignement est donné, que notre intelligence est ouverte. Renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire comprendre les choses autrement. Comprendre Christ autrement. Et Daniel, son intelligence devait être ouverte pour qu'il ne soit pas limité à des choses qu'il voyait. Je dois vous dire, je l'ai toujours répété, que le monde aujourd'hui est corrompu. Si l'intelligence n'est pas ouverte, on ne comprendra rien. Devant les épreuves et les difficultés, on va lâcher. Paul est entré dans la prison. Déjà, j'aime ça. Déjà dans la prison, on le sort devant roi Agrippa. Il ne change pas. Il ne cherche pas avocat. Il dit, roi, j'ai persécuté ce nom. Mais un jour, je vis. Quelqu'un qui a vu, son intelligence est ouverte, restera attaché aux choses qu'il a vues, quelles que soient les épreuves et les difficultés. Mais on a des gens qui n'ont rien vu. Quand je parle de l'intelligence, je parle de l'œil du cœur. Je suis arrivé à Kinshasa, je dois voyager quelque part, j'arrive là-bas et dis, j'ai un engagement avec le Seigneur de l'église de Winnipeg, je dois rentrer. On me dit, mais continuez le séjour, je dois rentrer. J'arrive à l'église de Winnipeg, j'ai la joie, parce que j'ai accompli ce que j'avais dit au Seigneur. On n'est pas limité par des milliers, on n'est pas limité par l'argent, mais quand l'intelligence est ouverte, on sert Dieu avec sincérité. Quelles que soient les difficultés, Dieu interviendra parce que Dieu n'a jamais attiqué un agneau moi pour tout. Et donc le moment de ce c'est parce que monsieur a offert moi pour tout. N'attend Dieu au colon mais monsieur a aucun mal. Il voit pas de problème. Il est là qui s'appelle toi hasard avec lui. Il voit rien. Mais quand si même dit laisse-moi m'en aller parce que Dieu a envie. Il y a des gens qui priment l'intelligence. C'est-à-dire il y a ceux qui magamounet ceux qui quand la fuite ici. À ce matin qu'un exemple de quoi c'est la fuite ici et de part de la méforme a été. Moi, j'ai gêné 40 jours. J'avais le programme. Dans les 40 jours, j'ai prié chaque jour. Seigneur, après ça, ma visa, laquelle mon visa refusé. Mais tout, on a sa vérité. On a gêné pété. On a eu pété que l'on voyage. On a tout, on a tout, on a tout, on a tout. Parce que j'ai tout, on a tout, on a tout. On a tout, on a tout, on a tout, on a tout. Est-ce que tu peux faire confiance au Seigneur? Est-ce que l'intelligence peut être ouverte? Quand nous sommes arrivés à Boston avec Pasteur, je travaille ici là. Hé! On dit que la scène va viser les États-Unis. Ça va être un peu plus simple dans la vie. Mais tout le monde, on a dit qu'il y a des entrepôts. Nous avons la responsabilité. On est 15 ans de la maille de Dieu. Dieu te connaît. Que l'intelligence soit ouverte pour comprendre que ma vie dépend de Dieu, non de mes raisonnements ni de mes calculs. Si Dieu veut quelque chose dans ta vie, à Osala, ne te compare pas des gens, ne jalouse personne, crois la promesse. Voilà pourquoi Frère Paul dit, les souffrances de ta présent ne sauront jamais être comparées à la gloire à venir. Parce que l'intelligence est ouverte. Est-ce que tu peux faire confiance au Seigneur? Qu'il est capable de faire tout. Je veux que cet enseignement trouve encore l'intelligence de t'approcher plus du Seigneur. De l'aimer encore plus parce qu'il n'y a personne qui a le calendrier de ta vie comme lui. Tu n'es pas en Afrique du Sud par hasard. Mais tu es ici parce que Dieu a voulu que tu sois ici. Peut-être là où tu étais à Brazzaville, tu ne pouvais pas croire à cet évangile. Voilà. Place Bana, il y a Kayen, Bazan, l'église aménée, on dit l'évangile au début. Qu'on est là, Bethlehem, il faut à la maison, mange pour au monde à quel, on va gagner la maison, il faut que nous ayons un ministère, lui, le ministère. Parce que nous sommes retournés à Sapé, les 7 dans la Kinshasa, et Zalaka. Mais Zabé, qu'on a fait tout ce qui monte à l'Oyengé, la Brazzaville, à même lieu encore. Imagine après ça, on limite pour nous ça les fort on dit mal. Les autres pour nous ça pas comme c'est calendrier pour la eux. Si on ça pas ça va au type à eux. Je veux que ton intelligence s'ouvre, que tu ne t'arrêtes pas par des choses que tu vois. Va encore de l'avant. Quand je vois quelqu'un comme pour la zone, il voit pour la maison ma tabisse.
Quel décret a compris? Mouton que l'homme va nous voir à Matadis. Verset, on en a l'entrée à mon élu. Pasteur, on en a l'entrée. Paul, le son, on a l'entrée. Esprit de mort, mais Paul a dit à Matadis. C'est-à-dire que quelqu'un a voit les promesses. Voilà pourquoi Moïse a vu l'opprobre de Christ supérieur à la richesse d'Égypte. Ne néglige pas la parole que tu as, ne néglige pas la servant que tu as, tout se trouve là. Quand la femme là est allée chez le prophète, le prophète a tout été les oies chez la vie. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle a négligé la richesse, mais que mon cas, réponse à lui. Qu'est-ce que tu as passé? Le prophète savait que mon cas, ça les disables. Zamba motifé par la vie. Nazara qui moi la tina coli, mon yenge de ticarité, du beau tanaï. A une certaine de vos salles formules, la chaîne à 40 jours. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Tu as quelque chose, ne néglige pas. Peut-être que tu vois pas ça. La vie, c'est que tu cherches. La vie, c'est pas le voyage que tu cherches. La vie, c'est vase dur que tu négliges. La parole qui est dans toi est capable de produire des miracles. Je veux que cet enseignement ouvre ton intelligence pour bien prier. Vous croyez aussi comme cela? Vous croyez à ce message? Nous voulons prier. Que Dieu ouvre notre intelligence pour que nous soyons capables de les servir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur. Prions.